Un soir d'hiver, dans un petit chalet sous la neige, un vieil homme, une boîte soigneusement posée sur ses genoux, se souvenait. Ah, mon vieux copain. Je me souviens de notre rencontre comme si c'était hier. Dit-il en s'adressant au nounours qui dormait à l'intérieur de la boîte. Le vieil homme se plongea dans ses souvenirs. Il n'était alors qu'un petit garçon. Il rentrait de l'école, sous la neige, le vent glacé, pas un bruit dans les rues, quand soudain, quelque chose attira son attention. Une petite voix appelait à l'aide et elle semblait venir de cette poubelle. Décidé à en avoir le cœur net, l'enfant s'approcha. Oh, bah ça alors! Au secours, sors-moi de là! Sors-moi de là, s'il te plaît! Ne t'inquiète pas, petit ours, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Je vais te réparer et tu seras comme neuf. Le plus joli des nounours. Allez, ne pleure plus. Assis dans la neige, l'enfant entreprit les réparations du jouet. Un peu de couture par-ci, un point de colle par-là et beaucoup de patience. Aïe, ouille, ça pique. Doucement avec l'aiguille. Hé hey, hé, voilà la touche finale. Un petit bouton pour remplacer ton œil. Tu es tout neuf à présent. Oh, merci. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais. Tu sais, je ne suis pas à jouer comme les autres. C'est à mon tour maintenant de te faire un cadeau. Et c'est un cadeau magique. À partir d'aujourd'hui, tu pourras rendre tous les enfants heureux. Tu es prêt? Ferme les yeux. Voilà comment tout a commencé. Chaque année, depuis ce jour, je traverse le ciel dans mon traîneau magique et distribue des milliers de cadeaux à tous les enfants du monde. Oh oh oh! Il est l'heure de partir, Rudolf. On décolle. Joyeux Noël à tous. Oh oh oh!